Tu te rappelles pas du jeu de Kai Cenat? Non. Mais 6 personnes qui sont majeures et qui peuvent mettre leur webcam, et puis tu les challenges, tu dis aux gens, allez me chercher quelque chose de rouge. Ils courent, ils te ramènent quelque chose de rouge. Tu dis, allez me chercher une autre personne. Jusqu'à ce qu'il en reste un. Et chaque fois, le dernier, il est éliminé. Ça va vite. Donc la personne qui ramène pas le truc que je lui demande de ramener se fait éliminer. Et quoi, il se fait éjecter de la caméra, genre, oh, je veux le faire. Je suis en live. Ah oui, vous êtes tous en live. Ah, ça va être génial. La gagnante, je la mets dans la prochaine soirée pyjama que je vais faire en live. Parce que vous êtes pas prêts. Ça va être vraiment iconique. Les filles, vous êtes toutes seules chez vous? Non, moi j'ai mon bébé qui dort. Ah bah voilà, à tout moment tu vas aller nous le chercher, tu vas rien comprendre. On va faire un petit échauffement tranquille. Et je vais vous demander d'aller me chercher un verre. J'ai dit déjà là. Quelqu'un a dit tu vis dans un studio, tu tends la main, t'as gagné. La vérité, quand j'habitais à Paris, franchement, j'aurais joué à ça là dans mon 20 mètres carrés. Celui-là ne comptait pas, mais par contre, celui qu'on va faire là tout de suite maintenant compte. Vous allez me ramener un stabilo. Un stabilo? Ça compte ou pas? Il y en a une, elle est restée bloquée avec sa main là. Tic, tac, tic, tac, tic. Tatiana, tu dois chercher un stabilo. J'en ai deux. Moi j'en ai pas, j'ai que des stylos. Non, ouais, mon dieu, mais qui a perdu du coup? Selon l'arbitrage, Ratounet a bien ramené un stabilo et Choche n'a uniquement un stylo. Mais meuf, franchement merci. Merci à tous ceux qui sont venus voir aussi. Bam, voilà. Mais arrête. Mais t'as pas de cœur. En plus les gens, vous êtes en train de trop la faire du sale. Ils écrivent dans le chat qui est passé chez Choche. C'est vraiment des bâtards. Dans Koh-Lanta, quand on éteint ta flamme, on éteint ta flamme. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient et qui souffle comme ça. Mais peut-être que comme ça, les adieux sont moins violents. Olivier était très dur, mais effectivement, elle a perdu. Je vous invite grandement à venir me chercher. Franchement, vous allez trouver ça dégueulasse. C'est une brosse à toilette. Oh merde! Ouais, une brosse à chiottes. Tic! En plus, elle est vraiment dégueulasse. C'est mignon d'aller chercher ça, honnêtement, c'est dégueulasse. Ah non, est-ce que je peux la reposer? Non, il faut la garder jusqu'à ce que tout le monde l'ait. Tiff est arrivée dernière. Tiff, t'as raté. Bravo à toutes celles qui ont ramené leur brosse à chiottes. T'as un discours de départ, Tiff? Oh. Bah pourquoi elle est partie? Elle pouvait au moins nous dire au revoir, Tiff. Bah Tiff, mauvaise perdante, voilà. Il y a une chance pour que vous n'ayez pas cet objet, mais si vous l'avez, bon courage. Les filles, vous avez 35 secondes pour aller me chercher un CD-ROM. Let's go. Un CD? Un CD, ouais, je sais. Kenza? Non, j'ai pas. Je viens de déménager, je suis dans mon appart de vieux. T'as pas de CD. J'avoue que trouver un CD, c'était pas facile, hein, les filles. Bravo pour toutes celles qui ont trouvé un CD. Ah, regarde, elle a même ambiance scandale. Elle, je lui donne un point si jamais elle est éliminée. Toujours derrière moi. Kenza, est-ce que t'as un mot de fin? Bah, c'est que je te regarde depuis un bail. Je suis hyper contente d'être venue sur le live et continue ce que tu fais parce que t'es génial. Oh, merci. Mais putain. Non, Olivier, ça se fait pas. Kenza, franchement, gros bisous sur ta glabelle. Moi, j'aurais jamais fait ça. Merci de me suivre depuis tout ce temps. On est entre filles là. Normalement, il y a quand même une petite probabilité pour que chacune d'entre vous ait ça. Alors, est-ce que vous pouvez aller me chercher un beauty blender? Je savais, j'en ai pas. C'est un vieux, j'ai pris au hasard. Non, j'ai des bons outils. Il est dégueulasse. Ah, c'est un merde. Vieux. 12 secondes, Yuniki. Ah non, elle a un pinceau. Yuniki, t'as perdu. Mais oui, j'en ai pas. Oh, petit cœur d'amour. Attends, c'est trop triste. Attends, j'essaie de faire partir c'est Olivier. Pour essuyer tes larmes. Je veux que tu fasses un mot au revoir, mais. J'aime beaucoup trop les lives, donc continue s'il te plaît. Bah, je vais pas m'arrêter, meuf. Bisous, bonne soirée. Ah non, c'est elle qui est partie à vous. Oh, en plus, elle était trop belle, Yuniki. Mais qu'est-ce que tu fous sans beauty blender en plus, purée. Comme quoi, faut toujours être vif. Allez me chercher quelque chose de bleu. Putain, là, son stabilo. Ah ouais, ils ont attrapé un sweat en 2-2. Ça, c'est mauvais pour Hélène. Non, ça va. J'ai eu trop peur. Personne n'est éliminé. Est-ce que j'en ai vu une avec un jogging bleu partir chercher un truc bleu ou je rêve? Attends. Oui, c'est moi. Donc Hélène, t'avais vraiment un jogging bleu, t'es partie. Ah, les gens, ils disent Ratounette, c'est gris. Ah non, c'est pas gris, c'est bleu. C'est bleu à paillettes, messieurs, dames. Est-ce que vous pouvez aller me chercher votre animal de compagnie ou alors un animal, en règle générale, ça peut être un dessin, une peluche, peu importe, un animal, let's go. On a un oiseau, un lapin. Et j'ai un chat. Est-ce que tout le monde est là avec son animal? Ben moi, il est parti parce qu'il est pas très sociable. Mina, ah, il est parce parti. Il était pas très content. Ok. Tout le monde est arrivé. Ah, mais tout le monde a un oiseau, genre, c'est normal. Quelqu'un a dit, alors moi il est enterré dans le jardin, malheureusement.
Ça va être un peu compliqué. J'ai mis 3 hamsters. C'est un peu compliqué là pour aller les récup, mais si vous me laissez 20 minutes, je peux me démerder. Olivier, t'as une idée ? Allez me chercher quelque chose qui roule. Le salon, il roule, ça roule, non ? Quand ça roule. Le verre, ça roule. Non, le verre, canapé, roule. La chaise roulante, c'est bon. Le meuble qui roule, c'est parfait. Le skate, ça roule. Ah, par contre, j'ai peur pour le verre parce que j'ai des trottinettes. J'ai galéré à ramener ma trottinette. La trottinette, c'est bon, ouais. Bah attends, j'ai pris ma valise, ok. Ok, ça passe pour cette fois. Parce que j'aurais pas dû te valider le verre. Vous pouvez aller me chercher. Le chat, il a des idées de ouf. Quelqu'un a dit ma dignité. On va commencer à corser le jeu, d'accord ? Est-ce que vous pouvez aller me chercher un légume ? C'est parti. Un légume ? Un légume. C'est qui en voit à gauche ? Les fruits secs ne fonctionnent pas. Un oignon. Ah non, c'est bon, ça fonctionne. Un légume. Oignon, on a des poireaux. Tomates ne fonctionnent pas. Les tomates ne fonctionnent pas, Mina. Une tomate n'est pas un légume. C'est pourtant bien connu, bordel. Putain, mais combien de fois on va vous le répéter qu'une putain de tomate n'est pas un légume ? Oui, un avocat, c'est un légume. Oh oui, joli. On a des. Non, les olives, c'est pas un légume. Tatiana, t'es éliminée, mon cœur. Oui. Bisous, Tatiana, merci. C'est violent quand même. Franchement, cette sortie. Je sais pas si vous avez regardé Squid Game Reality. Comment ils se font éliminer violemment. Ça me rappelle un peu comme ça. Pourquoi ban? Pourquoi il l'a pas? Je crois que j'ai des modérateurs à mon image, hein, vraiment. Il y a pas. Les gens, ils disent Olivier, il fout la rage. Préparez-vous à débrancher des choses chez vous. Ramenez une télévision. Let's go. Oh my god, c'est parti. Mais non, mais c'est impossible. Mais non. Je peux pas faire mieux, genre. C'est là, quoi. Si, si, on voit. Ah putain, elle a pris sa télé. Elles sont géniales. Ratounette, elle est partie. C'est que les meufs, elles ont débranché leur télé alors que j'étais en live dessus. Ratounette, t'es la dernière à avoir ramené la télé. Oh non, mais c'était bien, vraiment bien branché. Non, mais Ratounette, moi, j'ai qu'une seule parole. Et vu que tu avais montré un CD d'ambiance scandale, je te repêche, tu n'es pas éliminée sur ce round. Ça, c'est gentil, hein, franchement. Alors, tenez-vous prête, il va falloir que vous alliez me chercher un instrument de musique. Let's go. Ça part. C'est difficile, on a dit que le niveau se corsait. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'elle fout avec un ukulélé ? Mina, Ratounette. C'est un instrument de musique contemporain. C'est une machine à café ? Ça, c'est un instrument de musique qui consiste à faire le bruit. Tout, 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 tout. Ah, c'était sévère, c'était sévère. Non, une enceinte, ça compte pas. J'ai que 2 filles avec une guitare. Ça veut dire que là, avec ce round, je pourrais en éliminer 3, mais c'est quand même assez violent, les 3 d'un coup. Tu sais quoi ? Quoi ? Vu que c'était le round musicien et que la voix, c'est quand même un instrument, si elle pousse une petite chansonnette et que la chanson est plutôt bien interprétée, elle reste. Si la chanson n'est pas bien interprétée, ça part. Allez, let's go, Kara, ok, c'est parti. Mina, c'est ton tour, let's go, on est sur The Voice, je t'en prie, tu peux interpréter une musique, let's go. Attends, c'est... je ferme les yeux. Ah, moi aussi. De la lune, ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Et voilà, parce que je chante très mal, je voudrais pas heurter vos oreilles. Attends, Lago, elle a dit une phrase de mon ami Pierrot. Il aurait fallu pousser un petit peu la chansonnette, Mina, donc t'es un petit peu en sursis, on va voir ce que les autres font. Ratounette, vas-y. Je sais pas. Oh, les règles, c'est les règles. Comme ça met un peu plus la pression là. Premier dog ou second dog? Premier degré, tu dois chanter genre. Ça va être dur parce que je sais pas chanter. I wanna love you and treat you right. Mais c'est bien. Every day and every night. Mais c'est trop bien. Je peux pas la faire partir, elle a joué le jeu et en plus elle y a mis du, tu vois, du timbre. Moi j'aurais pas osé. Mais du coup là t'es en compétition avec Yamakei. Vas-y, tu peux pousser la chansonnette, on est derrière toi. Ok, vous êtes prêts? Yes. J'ai envie de mourir. Bon. Samina, mina, eh eh, waka waka, eh. Samina, mina, sangarewa. Et this is Africa, tembo, eh eh. Tu peux rester. Moi personnellement, je connaissais pas les paroles. Oh, elle a dit Africa, oh, elle m'a eu. Ce type me saoule en vrai. Vous pouvez rester les filles, n'ayez pas honte, malgré tout ce cringe que vous avez pu ressentir. Qu'est-ce qu'on va leur demander de ramener? Un pansement, let's go. Genre même quand tu vas chez quelqu'un, tu dis « Ah, oh, t'as pas un pansement ?» T'es là, tu sais « Ah putain, mais j'étais persuadée de m'avoir vu un. Ouais. » Ah là là. Ok, dépansement. Dépansement. Oh merde. Ah, ça sent mauvais pour toi. Ça t'arrive jamais de te faire des coupures, Hélène? 10 secondes. Mon mec, il s'est blessé en habillant. Malheureusement, le temps s'est écoulé. C'était une excellente idée. Et encore, vous ne lui avez pas mis de pansement, vous lui avez mis du scotch. Putain. Une feuille à rouler, mais non, ça marche pas. Dans tous les cas, je te l'ai dit, tu m'aurais eu si t'étais venue à temps, je t'aurais validé. T'as un petit mot pour la fin, Hélène? Je suis très contente d'avoir été en live avec toi. Merci, Hélène. Non,
Olivier, ça se fait pas. Oh, elle était trop gentille. Hélène, je suis désolée. Hein, non, Hélène. Parce que t'étais vraiment gentille. Nous sommes sur la demi-finale. Nous sommes effectivement sur la demi-finale. C'est maintenant ou jamais. Regarde, ramenez-moi une bougie allumée. Ça veut dire qu'elles vont se balader comme ça, genre. Elles vont l'allumer et se balader comme ça. Là, faut qu'on soit attentif. Ah, elle est pas encore allumée. Elle est en train d'être allumée. Elle n'est pas encore allumée. Oulala. Oulala. Je veux voir la bougie allumée. Ok, une bougie allumée, deux bougies allumées. Oh my god. Il reste 8 secondes. Ratounette n'est toujours pas de retour. Je suis là. Mais quelle chance! Niquez la chambre. Les filles, vous avez 25 secondes pour aller me chercher quelque chose que vous n'avez peut-être pas. Et pour celles qui l'ont, c'est super. Un glaçon. Visiblement, ils ont toutes des glaçons. Il s'avère que moi, je n'en ai pas. On a un glaçon. C'est incroyable, vraiment. Mais Yamakei. Mais oh my god, c'est quoi? Deux glaçons même. Ah ouais. Pardon, excusez-moi. Oh. Tracy. Bon, c'est pas grave. Merci Océane, en tout cas, de nous donner cette chance. Et c'est super cool d'avoir pu participer à ce jeu avec tout le monde. Bah, trop contente que ça s'est plus, meuf. J'ai une idée qui est pas mal. Une bulle de savon, mais vous êtes des malades. Je leur donne 35 secondes pour réaliser un portrait d'Océane. Un portrait de moi? Imagine, elle fait un croquis en mode Van Gogh, genre il un délire. Il reste 15 secondes. Putain. Franchement, c'était pas. J'aurais jamais pensé à ça. Je sais pas comment on le prend par contre. C'était avant que tu enlèves les injections. J'ai fait au plus vite, hein. 15 secondes. Non, mais après, tranquille, c'est pas grave. Hein. Y a pas de problème. Juste à part ça, je veux dire, t'as dessiné un anus en guise de ma bouche, mais y a pas de problème avec ça. Olivier disait que c'était pas pour vous éliminer, c'était juste pour vous faire chier celui-là. D'autant que là, techniquement, il y en a une qui m'a présenté un portrait en première, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de moi dans l'un comme dans l'autre? Je ne sais pas. Allez me chercher un passeport. Oh merde. Bon, toi aussi, tu déconnes. Elle a dit oh merde, bah ça, j'ai pas non plus. Ratounette, le passeport. J'ai jamais voyagé de ma vie. Non. En plus, ça enfonce sur une plaie ouverte. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Allez dehors. Ils disent allez dehors. Vous pouvez avoir un cœur, s'il vous plaît? Elle nous dit qu'elle a pas voyagé, Ratounette. Non, franchement. Non, Olivier. Eh, mais la violence! Fanny, tu vas être dans mon prochain live. Soirée pyjama. J'espère que t'as kiffé ta soirée. Mais c'est une dinguerie, je te jure. Ah, je suis trop contente. C'est vrai. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de te rencontrer et tout, là. C'est... waouh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sachez que c'était de la rigolade par rapport à ce qui va se passer là tout de suite maintenant. Préparez-vous parce que vous allez avoir une minute pour face cam nous préparer une vinaigrette. Célina, pourquoi tu restes là? J'ai pas d'aliments pour la vinaigrette. Non, t'as fait partir Célina, Olivier. T'as un bac. Vous pouvez pas voir, mais j'ai fini ma vinaigrette. 25 secondes. Les filles, il y a pas d'œuf dans la vinaigrette. On a dit une vinaigrette, pas un gâteau. Qui est la go qui m'a sorti un œuf? En dessous, ça va tomber. À quelle heure il y a un œuf dans la vinaigrette, Mélanie? Qu'est-ce que t'as fait? Mélanie, t'es éliminée, genre. T'as fait une mayonnaise, mon cœur. T'as pas fait une vinaigrette? Ah, j'ai confondu, purée. T'inquiète, c'était le stress. Merci à toutes les filles qui ont fait des fausses vinaigrettes. Je sais qu'il y en a pas beaucoup d'entre vous qui n'ont pas fait des vinaigrettes, mais qui sont restées. Vous avez de la chance que Mélanie ait utilisé un œuf. Vous allez avoir... Non, mais ça, c'est pas une minute, ça, c'est une heure. Je tiens à préciser que toutes les personnes qui ne reviendront pas avec l'objet seront éliminées, même si c'est 5 personnes. Vous allez avoir une minute pour venir chercher un pommeau de douche. Une minute, un pommeau de douche. C'est violent, quand même. Oh ah ouais, trop chaude, trop chaude, trop chaude. Incroyable! En 15 secondes! Mais vous êtes des malades! Mais j'ai tout arraché, je crois que j'ai tout arraché. Mais non! Il y a de l'eau partout. Pareil. Nana, il nous faut ton pommeau de douche. On peut avoir à l'unanimité des pommeaux de douche, mais ce serait une dingue. Vous êtes trop chaude! Ok, tranquillement, un paquet de chips. Let's go, 25 secondes. Doritos, Pringles, Lay's, Mio. Attendez, y en a pas une qui m'a arnaqué à me ramener des pop-corns? Non, c'est pas des pop-corns. Il y a écrit c'est des chips hot au piment. Woman Seca, montre ton paquet. C'est des noix de cajou, wesh. Ramène ton paquet, elle se fout de ma gueule. En plus, elle était comme ça. Elle le mettait en mode, ouais, il est là et tout. Elle l'a retourné, mais c'était des noix de cajou. Montrez-moi bien vos paquets, bande de tricheuses. Bon, malheureusement, Mio, tu es éliminée. C'était le seul jour où j'avais pas de chips. Ah, parce que d'habitude, t'en as. Oh merde, Mio. Gros bisous sur ta petite glabelle. Wow. Bonne soirée, petit cœur. Un fouet de cuisine. C'est parti. Ah, après avoir hyper vive, Justine, elle vit dans sa cuisine. Lilo vit dans sa cuisine. Olga. Il est tout petit, mais j'ai que ça. Hein. Ah, bah, trop mignon.
fifiche, c'est bon. Nana. Ah bah, elle est arrivée au calme. Ok, bah c'est bon. Ça, c'était assez facile. C'était pour vous. C'était facile. Là, t'as des athlètes de Glab Race. T'as la fine équipe. S'il y avait une équipe nationale, elle ferait partie de l'équipe nationale de Glab Race. C'est vrai. Bah alors, qu'est-ce que je leur demande? C'est quand même des compétitrices de haut niveau. Vous avez 30 secondes pour ramener une paire de chaussures. Et le chat va décider de laquelle est la moins bien. C'est trop méchant. Ok, on a plein de paires de chaussures. La personne que le chat estime avoir la moins cool paire de chaussures, du coup, sera éliminée. Chose qui est vraiment très méchante. Parce que moi, j'aime toutes vos chaussures. Les gens, ils ont dit « Dégage Mickey !» Mais c'est archi mignon! Mais vous êtes des b***, vous allez pas la faire partir parce qu'elle a Mickey sur ses chaussures. Mickey dehors! I Am Panda et Manilone, vous êtes toutes les deux en compétition. Moi, j'aurais proposé d'aller chercher un caillou dehors. Un caillou dehors en 35 secondes. Ouais, et le chrono est déjà parti, il reste 30 secondes. Qu'est-ce que t'as ramené? Je vois pas. C'est blanc, en fait. Prouve-nous que c'est pas de la litière. Ok, c'est bon. La litière, ma litière, elle est agglomérante. I'm a Panda. Bon, si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à l'appeler. Les gens pensent qu'elle est bloquée dans son ascenseur. Mais vous inquiétez pas, elle se porte bien à cette heure-ci. Tout va bien. C'est fait par des professionnels. On va passer aux choses sérieuses. Je vous demande, les filles, s'il vous plaît, d'aller me chercher un micro-ondes et vous avez une minute. Je pourrais pas le prendre. Lilo, c'est validé. Nana, je sais pas pourquoi tu give up on life comme ça. Je peux vraiment pas le porter, je suis désolée. Olga, c'est bon. Manilone, elle a ramené son vrai micro-ondes. Justine, elle a ramené un micro-ondes. On a encore Fifiche qui nous a ramené son micro-ondes. Pour le coup, Nana, t'as abandonné la vie. Mais tu savais que tu pouvais pas désolée. Le prendre. Maintenant, c'est pas grave. J'ai des nouvelles de Panda. Elle m'a dit, oui, désolé, en courant, j'ai fait tomber mon téléphone. Elle a dit, il s'est cassé. Vas-y, donne-moi ses infos, je vais lui envoyer un téléphone. Jure, tu lui rachètes son tel. Je lui rachète son tel. Qu'elle nous envoie la preuve qu'il est cassé et on lui en prend un, en vrai de vrai. Après, ce n'est pas une raison pour balancer vos téléphones par terre. C'est très gentil. Il y a une fille qui vient de gagner un téléphone et pourtant, elle a été éliminée. Vous avez 45 secondes pour me trouver une photo de vous, bébé. Numérique, on peut ? Oui. Et bébé, bébé ou ça compte jeune ? Ou ça, non, ça bébé. Va. Bébé, c'est de 0 à 1 an. Et moi, de le jouer stratégique, hein. Comment ? Ton père. Un bébé qui n'est pas toi. Ah ouais, j'avoue. J'ai... Le time est out, est-ce qu'on a des bébés partout ? Fifiche, tu te fous de ma gueule. Il s'agit d'un adolescent qui a 14 ans, là. Et c'est un garçon, c'est pas toi. T'as trop d'audace. Désolé, bisous tout le monde. Bisous, bah, Fifiche. Ramenez-moi une plante vivante. Les fleurs, ça compte, hein. Ok, les fleurs, ça compte. Ok. Vivante, t'en demandes beaucoup, MDR. Deux, Justine. Un. Ah non, Justine, il faut une heure. Oh, je sais pas. Oh. Le modo dit non. Ça a sonné et elle est arrivée. Moi, ça passe. Moi, je pense que c'était tout juste, hein. Je sais pas. Pour moi, ça passe. Pour cette fois, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut ramener le test de paternité de Sean. Ah, ça, c'était drôle. Les filles, ça va être difficile. Vous allez avoir une minute pour vous habiller tout en bleu. Ouais, parce que je réfléchissais à la couleur, je disais rose, c'est pas tout le monde qui en a bleu, il y a tout le monde qui a un top bleu et un bas bleu. Mais c'est sûr qu'au moins les trois quarts vont arriver avec un jean. Justine, faut la mettre la tenue. Mais hors caméra, t'habilles pas devant la caméra, Justine. Ok. On prend les chaussures ou pas? Non, pas les chaussures, tranquille. Waouh. Et le short bleu, le plus beau. Ouais, alors, Sharky, Olga, c'est bon, Manilone, c'est bon. Lilo, ton bas? Bah ouais, Lilo, tu veux tricher, Lilo? Justine, c'est bon, c'est bleu, on a compris. Lilo! Oh. Oh. Là, pour le coup, Lilo, t'es venu après. Bisous, bonne soirée. Oui. Salut. Ciao, bye. Ciao. On vient de perdre l'ENA situation. Vous allez avoir 30 secondes pour aller me chercher un marteau. Ça part maintenant. C'est tout ce que j'ai. Eh bah oui, c'est un marteau, ça. Elle a dit, c'est tout ce que j'ai. C'est littéralement un marteau. Je peux ouvrir des crânes avec ça. Rigole pas. Compte, hein. C'est vraiment génial. Oh my god. Là, on a directement perdu Sharky. Sharky! Non, ma maman, je lui ai donné, je l'ai plus. Gros bisous, meuf. Passe une bonne soirée. Repose-toi, bois de l'eau, parce que t'as couru aussi. Bonne soirée, bon courage à toutes. Vous avez 30 secondes pour vous diriger dans votre cuisine, j'imagine, et aller me chercher un grain de riz. Un seul, ça part. Tu te rends compte que le mec, il la voit partir dans tous les sens. Je veux voir le grain de riz de près. Ça, c'est un grain de riz. Allez où la caméra ? On a un grain de riz, effectivement. Un seul ! Un seul, un seul, un seul !
Nickel, parfait. Ah ouais, elle a carrément ouvert un paquet. Elle a ouvert un paquet pour nous sortir un grabret. Personne n'est éliminé. Quelqu'un dit une porte. Bon, les filles, vous avez une minute pour poser des fossiles. Let's go, ça part maintenant. Allez, faut les poser, faut les mettre. Avec la colle et tout. Avec la colle et tout. Des magnétiques. Ah, au magnétique, elle peut, hein. Je crois elle les pose et elle a... Non, elle les pose. Si tu les poses mais qu'ils tiennent, t'es quand même bon. Mais je savais pas que ça mettait autant de temps. Bah, c'est super long, Olivier, de mettre des fossiles. Oh my god, 20 secondes. 20 secondes. Justine, tu nous en as posé un. Ah non, c'est horrible. Oh mon dieu, le stress est à son comble. Ok, elle tremble. Non. Zéro. Manila. Justine et Olga, ils sont arrivés. Hein. Non, mais franchement. En plus, je venais de ranger genre tout. Mais Justine, elle les a super bien posées par contre. Qu'est-ce qui t'a pris de ne pas réussir ça quand tu nous as ramené un pommeau? C'était une super bonne soirée et. Merci beaucoup pour tes lives. Meuf, passe une bonne soirée. Je te fais plein de bisous sur ta petite glabelle. Gros bisous, Manilon. Ok, sans timer, vous allez devoir, et je veux pas d'excuses, si vous avez pas, vous avez officiellement perdu. La première qui met du fil dans une aiguille devant la caméra a gagné. Peu importe quel fil. Peu importe quelle fille, peu importe quelle aiguille. T'es la première qui met ça. Oh. Oh. Mais quoi? Je suis du Oh. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu, Justine. Elle stresse un peu, donc t'as encore du temps. Justine, t'as le temps. Elle va sortir une pelote. Justine, Justine, rien n'est perdu. C'est bon. Oh, Olga a réussi. Justine, t'avais de la chance en plus. T'avais toute une tripotée de bobines. Désolée. Bon, allez, dis-nous un petit mot, Justine. Franchement, t'as joué un jeu incroyable. Ah ! Arrête de nous faire de la peine comme ça ! C'est le jeu, d'accord ? Il y a des gens qui n'ont pas eu le droit de s'exprimer ce soir. Franchement, t'as été une joueuse incroyable. Très 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 contente d'avoir participé, en tout cas, je t'adore. Ah, bonne soirée Justine, gros bisous et franchement, good game. Merci. Salut, bisous. Franchement, Olga, quelle était la probabilité que t'aies une putain d'aiguille avec une putain de pelote de laine juste posée sur tes genoux ? J'en sais rien, mais je suis très contente. Franchement, je savais que t'allais gagner, t'avais l'énergie d'une gagnante.